rêve. Bon jeudi tout le monde, on est en direct du studio Génial Production avec mon amie et collègue Sonia Bouchard. Salut! Sonia, j'ai l'impression d'être dans un studio de télé. Hey, mais en live, en live. C'est vraiment cool. On va parler réseaux sociaux encore aujourd'hui. Ben non, cette fois-là, ma belle, non, non. Je t'arrête parce que c'est pas toi qui va m'interviewer, c'est moi qui va t'interviewer. On inverse les rôles. Oui, okay. Alors je sors encore une fois de ma zone de confort. Pourtant, t'avais aimé ça la dernière ouais, fois. Oui, mais je trouve que là, c'était ton tour. Tu donnes beaucoup, alors c'est à mon tour de pouvoir donner à ton tour, qu'on puisse mieux te connaître. Et je vais le faire aussi pour d'autres collaborateurs aussi. C'est un peu un projet auquel je fais présentement. Mm-hmm. Là, on le fait en live, donc une petite sortie de zone de confort un peu plus. Mais je vais avoir des captations vidéo qui se font avec d'autres collaborateurs qui baignent tout autour de mon univers de médias sociaux, parce qu'en fait, j'ai une entreprise dans les médias sociaux et des collaborateurs, des gens dans le regroupement de gens d'affaires pour aider les gens justement à faire des choix pour se propulser sur le web. Oh, alors, et comme on collabore, bien merci, comme on collabore ensemble, j'ai dit cette fois-ci, OK, c'est moi qui va t'interviewer. Pose les questions. Oui, c'est moi qui va t'interviewer. Mais en fait, c'est assez simple. Je veux que tu te présentes. J'aimerais ça. On te connaît. Tu es une personnalité connue, bien sûr. Mais je veux que tu te présentes un peu plus, qu'on connaisse un peu plus qui est Josée Turmel et qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me le demandent. Parce qu'évidemment, là, on ne voit plus à la télé. J'animais au Bénin Compagnie, Truc et Compagnie. Ça s'est terminé l'an passé. Et là, certains me disent, es-tu encore à la télé? Qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait, j'en fais encore de l'animation et de l'entrevue et tout ça, mais je me suis vraiment dirigée vers le web à deux points de vue. D'une part, avec mon entreprise en ligne en santé mieux-être Arbonne, qui donc j'aide les gens à améliorer leur santé de l'intérieur vers l'extérieur en prenant soin de leur, oui, de la nutrition, mais également de soins du corps et tout ça. Et en même temps, je les aide à améliorer leur santé financière parce que je les aide à développer leur côté entrepreneur et développer leur entrepreneurship pour devenir eux aussi des entrepreneurs en ligne. T'es quel niveau déjà? C'est un peu compliqué, mais il y a quatre niveaux. Okay. Fait que j'ai atteint le troisième niveau. Bravo, et tu sais, ça bouge beaucoup et ça se développe. Dans combien de temps? Ça va faire 3 ans, là, cet automne. Bravo. Donc, c'est encore dans les débuts. Puis, l'entrepreneuriat en ligne, à mon avis, c'est l'avenir. Puis, c'est la force du bouche-à-oreille aussi. Oui, oui. Donc, c'est bien cool. Ça, je trippe. C'est comme je te dirais, mon travail principal. Okay, okay. Et en marge de ça, j'ai développé le service d'entrevue en live Facebook pour des entreprises, pour des entrepreneurs sur leur page professionnelle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai transféré mon expertise que je, dans le fond, depuis que je bâtis depuis 30 ans comme intervieweuse que je faisais à la télé. Bien, je me suis dit, tiens, j'ai cette expertise-là. De mettre à l'aise les gens, de les mettre en valeur et de pouvoir faire des entrevues avec eux. Donc, je vais faire ça. Je vais l'offrir aux entreprises, aux entrepreneurs, de le faire sous forme d'entrevue en live Facebook sur leur page entreprise. Donc, c'est une facture très informative où est-ce que le client peut mettre de l'avant ses services, ses produits et c'est sous forme informative, on informe les gens. Puis les gens sont plus à l'aise aussi, le client est plus à l'aise que de faire un live tout seul. Oui. C'est en même temps, il faut dire que tu as quand même une popularité, tu as un réseau extrêmement fort. Donc, toi-même, quand tu partages sur tes médias et eux dans leurs médias, ça propulse à vitesse grand V. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'était ça l'idée aussi d'utiliser ma notoriété profit de ces clients-là aussi. Oui, donc, oui. Quand les clients décident d'acheter les forfaits que je propose, bien, ce qu'ils s'offrent, c'est d'abord une entrevue professionnelle. Donc, ça va bien paraître sur leur page professionnelle. Oui. Et en même temps, ma notoriété qui aide forcément aussi. Tu as même un projet, c'est prochainement. Parce que je trippe tellement. Ben, on s'était déjà parlé, à Alexandre et moi, du studio ici. Mais là, je le vis. Et j'ai dans ma tête, j'ai un groupe en Facebook qui s'appelle Lifestyle Leader. C'est vraiment un groupe que j'ai bâti au début de l'année parce que je trippe sur tout ce qui est santé, mieux-être. Aujourd'hui, donc, comme je disais, soins du corps, l'entraînement, la nutrition, le développement personnel, l'entrepreneurship, la croissance personnelle, les trips d'une vie aussi, les gens passionnés qui vivent leur trip. Alors, je veux mettre à l'avant-plan des gens qui se démarquent dans ce qu'ils font. Puis, j'ai déjà commencé à faire beaucoup de lives sur Lifestyle Leader. Et mon idée était, j'aimerais ça un jour avoir mon show live comme j'avais avant à la télé, mais le transférer en ligne parce qu'aujourd'hui, le potentiel des lives Facebook, c'est fou. C'est avoir une télé au bout des doigts et sur le monde entier. Est-ce que tu savais que le dernier live qu'on a fait ensemble, qui était mon storytelling, un petit peu, lorsque j'ai partagé sur LinkedIn, j'ai à peu près eu 10 000 vues et sans sponsorisation. Et sur la page Facebook, dans mon cas, mais toi en plus, tu l'as partagé et je n'ai pas calculé le tien, j'ai à peu près aussi 10 000 vues. Alors, ça représente pour un investissement de 19 $, au total, 20 000 vues
d'un storytelling. Et honnêtement, je suis allée dans une chambre de commerce dans la même semaine et les gens me félicitaient pour le 5e anniversaire. Bah, et, tu vois, c'est ça, c'est la visibilité. C'est vraiment impressionnant pour un gros 19 $. Alors ouais, honnêtement, c'est grâce à toi, puis honnêtement, de cette force de visibilité. Puis c'est pour ça que justement, on collabore ensemble, mm-hmm. parce qu'en fait, les médias sociaux, c'est quelque chose, mais on voit avec l'algorithme, on a déjà parlé, c'est mm-hmm. relativement faible. Et là, en mettant justement de la vidéo, justement avec nos gens de Génial Productions, du live également, ben oui. ça propulse à vitesse grand V. Vraiment, voilà. Et mon idée, c'est de faire un Facebook live show dans Lifestyle Leader, oui. vraiment en live, une demi-heure, oui. où est-ce que je vais avoir des invités, puis je les amènerai ici dans le studio. Je ne sais pas si on a pu voir, si on va voir. Un petit peu le studio. Écoute, parce ici, que là... Alexandre, qu'on voit ici. Alexandre, dis-nous un petit coucou. Oui. C'est parce que là, quelque chose de très différent qu'on vit, je ne sais pas, vous avez remarqué pendant notre live. Non, normalement, on fait un live avec notre cellulaire, oui. hein, on s'entend. Oui. Là, il y a 3 ou 4 caméras. Donc, il est réalisateur en direct comme dans un show non, télé. Non, pas vrai. Donc, il y a plusieurs caméras en live. Là, c'est comme si on... C'est pas comme, on est live comme dans un... Mais c'est toi comme... qui peux le dire, moi, j'ai jamais fait de c'est télé. C'est ça, mais moi, ça me fait capoter parce que quand je faisais, exemple, le Grand Journal, on était en direct du Festival d'été, il y avait 3 caméras en live avec le camion micro-ondes pour être capable d'être live. Là, on le fait avec Internet, avec des lives Facebook. Oui. Donc, imaginez les gens, les clients, que vous avez des événements, vous avez quelque chose d'envergure où est-ce qu'on a besoin de plusieurs caméras, puis on peut être live, animé, faire des entrevues avec 4 caméras qu'on punch un peu partout. Ça va être très mal. Oui. Fait que c'est ce qu'on va travailler avec Alexandre et son équipe de génération. Je suis très contente que tu aies pu eu cette idée, justement. Idées, papa. C'est ça, avec Alexandre, que je t'ai mis en contact. Donc, c'est vraiment plaisir de voir toute cette collaboration ensemble. Là. C'est vraiment bien. Dis-moi, donc, comment tu fonctionnes pour tes forfaits? Parce que, donc, quelqu'un qui a un intérêt, justement, à avoir des Facebook Live pour son entreprise, est-ce que, bien sûr, tu te déplaces? Il doit avoir un territoire aussi? Oui. Bien, en fait, vois-tu, j'ai commencé ça au printemps. Oui. Puis c'était tout nouveau, là. Fait, donc, ça a été, j'essaie, je vais voir comment ça fonctionne. Puis, ce qui est important pour moi, parce que puis je pense que toi aussi, tu prônes ça, sur les réseaux sociaux, c'est une constance. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas faire quelque chose une fois puis penser que tout va tomber dessus, puis que c'est réglé. Vraiment. Il faut avoir une présence constante, variée, puis soutenue, dont les lives Facebook. Oui. Donc, m'engager pour un live puis me revoir dans 6 mois, ça ne m'intéresse pas parce que je sais que ça ne donnera pas grand-chose. Mm-hmm. Alors, je veux travailler avec des entrepreneurs, des entreprises, des clients qui vont vouloir travailler dans le temps. C'est-à-dire, dans le courant de la prochaine année, on s'engage ensemble pour en faire un par mois, 1 ou 2 semaines, dépendamment. Là. Mais il faut y aller dans la constance. Et je ne veux pas non plus en avoir 50. Je ne veux pas me voir partout sur Facebook. Oh, oui. Donc, tu sais, là, je travaille peut-être avec une dizaine, une douzaine de clients en même temps. Donc, ils peuvent varier dans puis l'année. On a collaboré avec quelques demi-clients. Oui, bien, écoute, les pionniers ont été Nordique, évidemment. Oui. Salut Denis. Salut Denis, l'équipement Nordique. Oui. Orléans, Cuisine Design aussi. André. Donc, c'est ça, il y en a eu plusieurs. On peut voir derrière, les Facebook Live restent sur leur page. Et les résultats sont impressionnants. Oui, ils ont été excellents. En temps réel, on voyait les gens liker. Il faut dire aussi qu'en différé, c'est là que le web se propulse, en fait, et on voit les résultats. Parce que quand je disais tout à l'heure, 20 000 de visibilité. C'est pas au moment du live, mais non, mais c'est zéro. Ça, non, c'était peut-être quoi, 20 de personnes qui étaient là présents. Mm-hmm. Puis, bien sûr, ce qu'on recommande, c'est que de peut-être dire à l'avance qu'il va y avoir un live. Ici, on a fait une petite surprise. Là, c'est exceptionnel. Parce que 95% des gens vont l'écouter en différé. Après, c'est parce que le live, l'algorithme de Facebook va propulser le live. C'est l'outil par excellence pour se faire voir sur Facebook. Oui. Puis, pas encore assez de gens l'utilisent, donc c'est le temps d'en profiter. Oui, profitez-en. Pas profiter de José. Non, mais profitez de cette visibilité-là qu'on peut vous offrir. Puis dans le fond, c'est comme ça que je fonctionne. Les gens, le client se dit, bon, OK, je m'engage avec toi pour un minimum de 5 lives. Oui. Donc, veux-tu que je dise comment je bien sûr, oui, donc, un minimum de 5 lives. Donc, je charge 250 par live. Qu'est-ce que ça implique? Évidemment, on se parle avant, on voit les besoins, on détermine les sujets. Je me déplace, on prépare l'entrevue, je mets la personne à l'aise. Il y a des choses à faire techniquement sur Facebook pour s'assurer que ça soit bien propulsé. Et on fait l'entrevue. Habituellement, c'est une dizaine de minutes, tout dépendant des sujets. Puis après, il y a des choses techniques à faire aussi. Donc, ça implique ça pour un bloc de 5 lives et à utiliser dans les 6 mois ou dans l'année. Donc, encore là, on a parlé de constance. Plus c'est prêt, plus il va y avoir des retombées. On veut justement que le client ait des retombées. Ça dépend des besoins, c'est ça aussi. Les clients, il y en a que là, c'est le rush, exemple, de là jusqu'à Noël, bien, c'est le temps d'en faire. Et si on prend un bloc de 10 lives, bien, à ce moment-là, je le fais à 200. Par live parce que bon, on en fait plus, on a vraiment une entente à long terme. Tu sais, je préfère travailler avec moins de clients, mais qu'on va avoir une collaboration plus. C'est vraiment un excellent complément parce que justement, nous qui faisons les médias sociaux pour des clients, on imbrique le tout, tes Facebook Live.
pour vrai, on voit vraiment les résultats et on est extrêmement contents de cette collaboration. C'est ça, parce que moi, je fais un bout de, mais oui. c'est bien beau un live, mais c'est important après d'alimenter votre page Facebook ou les autres avec d'autres choses. Puis sur Facebook, on est là pour donner. Mm-hmm. Même quand on est des commerçants ou des entrepreneurs qui voulons vendre de quoi, à la base, c'est un mindset où tu veux donner puis entrer en relation avec tes clients, tes futurs clients. Donc, tu les éduques, tu les inspires puis tu les divertis. Donc, il faut être pertinent, constant et patient. Et qu'on l'a! Après ça, il faut le faire. Et c'est là que tu entends une de compte. C'est le fun. J'ai encore une cliente récemment. Ouais. Elle dit, écoute, moi, je suis débordée, les réseaux sociaux. J'ai pas le temps, je sais pas quoi faire. LinkedIn, Instagram, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Sonia Bouchard. Elle dit, oui, la petite blonde. Là. J'ai dit, oui, c'est ça. Parce que moi, je fais juste les lives Facebook. Puis toi, tu fais le complément total. Effectivement. Puis en passant, avec mon équipe, hein, je ne suis pas seule du tout. Dis-moi, est-ce que tu as des offres, entre autres, que tu. Ben là, tu as parlé des prix et tout ça. Ça, c'est correct. Oui, c'est ça. Si on veut communiquer avec toi pour avoir de l'information supplémentaire. Ben, je te dirais par Messenger, Facebook, c'est l'idéal. Non, super. C'est facile à trouver. Super. Puis, ben, en même temps, tout d'abord, je te remercie vraiment d'avoir accepté. Puis, encore une sortie de zone, ça doit faire la cinquième que je suis dans une sortie de zone complète. Là, c'est rendu que j'interviewe José Turmiel. Est-ce qu'on pourrait se faire un Facebook live show une fois par mois sur l'entrepreneuriat en co-animation qu'on invite des gens? Ça serait le fun, c'est le fun de mettre à l'avant-plan des entrepreneurs. Vraiment. Puis on est dans ça, l'entrepreneuriat en ligne. Puis écoute, on touche à C'est ça mon projet qui baigne dans tout autour de mon univers, mais moi, je suis prête à s'ouvrir à tout ça. Écoute, en co-animation, c'est toujours plus fun. Oui, d'accord, bien cool. C'est en live, effectivement, vous avez vu. Alors, as-tu quelque chose à offrir? Écoute, là, c'est ça pour ceux qui vont liker, commenter, partager live d'aujourd'hui. Oui. Moi, je vais offrir 100$ de crédit sur votre achat de forfait si vous faites affaire avec moi. Donc, ça me fait plaisir. Bon, c'est bien. Puis moi, j'offre encore là pour ceux qui commentent, partagent et aiment, dans le fond, 1 heure de consultation gratuite dans les médias sociaux pour votre entreprise. Alors, un gros merci. Ça me fait vraiment. Plaisir. Merci, ça a été un plaisir. Monde. Et merci, merci à Génial, la Génial Production. Écoute, c'est vraiment fun. Là. Oui. On se sent vraiment à télé. Super. Un gros merci. Bye. Bye. Salut.